Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Parabole. Derrière moi, les toitures de l'abbaye de Lollenberg, cette abbaye bien connue dans le Haut-Rhin pour sa farine, pour ses pâtes, pour ses gâteaux en tout genre. Mais l'abbaye de Lollenberg, c'est d'abord une communauté de moines cisterciens qui vivent là une vie de prière et de travail. Pour ce temps de carême, nous avons eu la chance de participer pendant une journée à leur vie. C'est cela que nous allons vous faire découvrir, un sujet réalisé avec Jean-Pierre Bertrand. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Il n'est que 4h30 du matin et pourtant les moines de l'abbaye de Lollenberg commencent leur journée à la chapelle par un premier temps de prière. J'ai commencé sa journée en la confiant à Dieu et lui demander de pouvoir continuer à vivre cette journée avec lui, en sa présence. En même temps, c'est aussi une démarche de solidarité avec tous les hommes, ceux qui continuent à dormir, ceux qui sont déjà au travail, et d'être, proche d'eux dans la prière. Et en même temps, c'est attendre le jour, attendre le lever du soleil, voilà. Et puis aussi, vigile, c'est la joie de retrouver tous les frères, premier office de notre vie communautaire, dans le grand silence, qui a commencé la veille à Compli et qui va se terminer à l'aude, à l'Eucharistie. Je pense que pour beaucoup de moines, c'est vraiment un grand moment. Je ne sais pas si c'est le moment qu'ils préfèrent, mais beaucoup m'ont déjà fait part de cela. En ce mercredi des cendres, premier jour du carême, le père abbé impose les cendres pendant la messe de 7 heures sur la tête de ses frères en signe d'humilité. Alors le mercredi des cendres, c'est ce rappel que voilà, ben oui, nous sommes poussière, nous retournons à la poussière, et en même temps, nous avons eu la grâce immense d'avoir la vie un jour du temps. On aurait pu ne jamais être. Alors, qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment je vis mon quotidien? Voilà. C'est nous. On fait le dispatching. Et Jules? Après la prière, commence le travail. Dans le potager de l'abbaye, le frère Robert a troqué son habit de moine pour une combinaison de travail. Prieur, c'est-à-dire numéro 2 de l'abbaye, et chantre pendant les liturgies, il a aussi une passion pour le maraîchage. La qualité de ses légumes est bien connue et des habitués viennent ici régulièrement pour faire leur marché. Tous les lundis matin, je passe chez les gens pour savoir ce qu'ils ont besoin. Le lundi soir, j'en téléphone à certains. Et donc le mardi matin, je viens et je fais mes achats. Et cet après-midi, je commence à faire la distribution et demain matin, voilà. Cela fait 62 ans que le frère Robert est entré dans la vie monastique. J'étais d'abord chez les spiritains, comme tout jeune. Et alors, un bonjour, le père directeur nous a parlé de son ami Placide qui est entré à Lollenberg. Et alors, c'était le déclic, là. J'ai entendu une voix comme c'est là que je te veux. Et puis, le jour après, on est venu en autobus. On a visité l'abbaye, puis. J'étais pris. Deux ans après, je suis venu, donc, à 15 ans. Oui, vous avez bien compris, le frère Robert est devenu moine à l'âge de 15 ans. L'abbaye de Lollenberg fait partie de l'ordre de Cîteaux et a pour devise prière et travail.
Elle se réclame de saint Benoît, père des moines d'Occident qui a rédigé une règle de vie monastique au début du VIe siècle. Elle se rattache aussi à saint Bernard, qui a donné un nouveau souffle à la vie monastique au début du XIIe siècle, à partir de l'abbaye de Cîteaux. Ainsi sont nés les cisterciens. Depuis des siècles, ce lieu de Lollenberg est un lieu de prière où se sont succédées plusieurs communautés religieuses avant que ne viennent s'installer les moines cisterciens. Les moines sont venus en 1825. Voilà, ils ont trouvé un lieu quasiment abandonné. Et puis petit à petit, reconstruction. Et puis avec les guerres, destruction, il fallait recommencer. À un moment donné, il y avait jusqu'à 180 moines ici à Eulenberg. Et aujourd'hui, nous sommes une communauté de 9 frères. Voilà, nous avons conscience de notre fragilité dans une époque où en ce moment des monastères ferment, faute de vocation, vieillissement des communautés. Mais nous avons la chance, la grâce d'avoir quelques jeunes. Vont-ils persévérer? Dieu seul le sait, nous espérons. Le frère Dimitri est au début de sa vie monastique et est donc encore en formation. J'ai été postulant 9 mois, ensuite novice 2 ans. Novice, c'est là où on prend l'habit pendant 2 ans. Et c'est vrai que ces 3 premières années environ, plus ou moins, sont plutôt une formation spirituelle. À la vie communautaire, les horaires, s'habituer un peu à tout ça. Et donc pas tant intellectuel. Et se nourrir dans la vie de prière, de lire des livres sur la prière, de spiritualité, voilà. Et après, c'est vrai que pour les frères qui le veulent et qui le peuvent, voilà, qui ont un peu le goût, cet attrait pour le côté plus intellectuel, il est proposé une formation monastique d'études intellectuelles qui dure en général 3 ou 4 ans, des fois un peu plus pour certains. Et c'est ce que j'ai commencé du coup il y a quelques mois. C'est après un long cheminement que le frère Dimitri est devenu moine. J'ai travaillé dans le coin parce que j'étais facteur d'orgue. Enfin, j'étais employé dans des entreprises qui construisaient des orgues ou la restauration d'orgues. Et j'ai fait mes études en Alsace parce que c'est la région des orgues, on peut dire. Et j'ai travaillé ici pendant quelques années. Et quand le désir de la vie monastique est revenu, parce que c'était un peu commencé quand j'avais 18 ans, quand il est revenu quand j'avais vers 25 ans, pour discerner cet appareil-là d'une manière plus sérieuse, il fallait quand même fréquenter des abbayes plus régulièrement. Et j'ai découvert que Lollenberg existait. En fait, parce que depuis quelques années, j'habitais ici. J'allais faire des retraites des fois plus loin, vers Lyon ou dans des abbayes. Des retraites de temps spirituel. Une amie m'a appris, là, il y a Lollenberg qui n'est pas trop loin. J'ai découvert ça. Et du coup, pour discerner cet appareil-là, je suis venu un week-end par mois pendant quelques mois. Sans forcément avoir l'idée de rentrer ici, mais déjà pour discerner le désir de vie monastique. Et finalement, les deux se recoupaient et je me suis senti bien ici et je suis resté là. Seigneur puissant et glorieux, lève-toi dans l'île.
cause de sa réussite et sans doute de sa visibilité. Plein de fougue, je manquais de prudence. L'Algérie était indépendante et voulait le faire savoir. Deux jours plus tard, je fus mis en demeure de signer 11 papiers, bureaucratie algérienne oblige, sur lesquels je reconnaissais être nuisible. En contrebas de l'abbaye, le frère Christophe a décidé de nettoyer et de redonner vie à un ancien rucher laissé depuis quelques années à l'abandon. Mais le métier d'apiculteur ne s'improvise pas. C'était prévu que je prenne des cours d'apiculture, mais avec le coronavirus, bon, y a des soucis. Et alors, il y a celui-là qui donne des cours. Il m'a dit, je vais vous donner une adresse d'un gars qui habite à Reining et qui va pouvoir vous aider, vous donner des conseils. Bonjour Monsieur Boltz. Ça va? Ça va. Ça vole un petit peu. Oui, et apparemment il y en a une qui bouge beaucoup. Oui, vous voyez, elles ont du pollen aux pattes. Là. Oui. Vous voyez, on dit que les abeilles sont agressives, elles ne sont pas du tout agressives, vous voyez. Oui. Là, elle est en train avec la langue de prendre du miel. Du miel, oui. Pique uniquement quand on les embête, avec une guêpe, c'est autre chose. Quand vous êtes devant l'entrée, il y a des gardiennes. Oui. Et là, vous avez des grands risques de vous faire piquer. Ah. Et elle est en train de manger le miel, en train de sucer le miel. Le frère Christophe était tapissier décorateur avant de devenir moine. Après un pèlerinage qu'il a fait passer par Nevers, Lourdes et Paray-le-Monial, sa vocation va lui apparaître comme une évidence, même s'il lui faudra un peu de temps pour apprivoiser l'abbaye de Lollenberg. La première fois que j'étais là, on m'avait dit c'est une retraite en silence. On avait passé un week-end, il y avait plein de monde, c'était bruyant. J'étais revenu un autre jour où c'était silencieux. Et de fil en aiguille, moi, j'ai vu Père Dominique à l'époque, ensuite le Père Abbé de l'époque, j'ai grandi comme ça pendant une année en discernant avec le Père Abbé. Et un beau jour, il m'a dit bon, mais c'est bon, tu pourrais rentrer. Là, j'ai dit oui, mais j'ai encore une entreprise, il faut que je ferme mon entreprise. C'est pas comme ça en 15 jours que je ferme mon entreprise. On ne peut pas toujours expliquer, c'est quelque chose qui vient d'au-dessus, qui vous montre le chemin. Et le Seigneur, il a dit, suis-moi. Et il l'a dit à d'autres. Et on ne se pose pas la question, pourquoi je vais le suivre et tout. On est attiré, on ne sait pas pourquoi. Et ensuite, le bon Dieu travaille avec nous. Dans la tradition monastique, les moines de Lollenberg cultivent la terre et produisent du blé qu'ils transforment en farine dans leur moulin. Alors la production de farine aujourd'hui, c'est 1600 tonnes de blé qui sont écrasées pour obtenir 1100 tonnes de farine. Et les différents canaux de distribution, c'est d'abord le magasin sur place. On expédie aussi entre 5 et 7 palettes par semaine sur toute la France, dans beaucoup de magasins monastiques français. On expédie aussi un petit peu en Allemagne. Et ensuite, on vend aussi à des GMS. On travaille aujourd'hui avec 18 Super U dans le Haut-Rhin. On travaille avec tous les trèfles verts d'Alsace. On travaille aussi beaucoup avec des boulangers, des restaurateurs, des traiteurs. Vraiment le secteur professionnel de l'alimentation. Hein. Bonjour Axel. Je viens te rendre une petite visite. Ça va? Oh! C'est nouveau ça. On fait des tests là en ce moment pour. C'est des œufs durs. Presque. Non, c'est quoi? C'est de la brioche. Bien. Donc, du coup là, il faut que je les mette au four, cuire. Et alors, c'est une pâte briochée? Comme les manas là.
Et là, c'est un mélange de sucre et de cannelle. Même pâte que les manella. Oui, exactement la même. Oh là là, je m'inscris. Hein. Autrefois assurée par des moines nombreux, l'activité économique a dû s'adapter à la nouvelle situation de la communauté. Nous avons actuellement 18 salariés, c'est donc une petite entreprise. Et n'ayant pas de frère dans la communauté à qui confier la responsabilité de cette structure, j'ai demandé à une personne, à un homme, d'être responsable, des salariés de la partie économique. Et bien sûr, nous travaillons ensemble. Et il a donc le souci de la bonne marche de tous ces emplois, de tous ces services et puis de nos activités économiques. Tout va bien ? Très bien, très bien. Ben, je suis en train de réorganiser les dossiers pour le chantier des toitures et pour l'hôtellerie. Ouais, donc c'est là, un plan, ça, C'est sur une photo aérienne. Ah oui. Autour ? La liaison, bon, ça va le traiter à part, on le fera aussi la chapelle. L'hôtellerie est là. L'hôtellerie est là, la liaison. Le magasin, la fabrication et les garages. D'accord, je comprends. Fidèle à l'adage, rien ne se perd, tout se transforme. Les moines de Lollenberg ont su trouver une économie vertueuse. Les frères fabriquaient de la farine, ils se sont dit, tiens, avec la farine, on pourrait faire peut-être d'autres choses. De là est partie la fabrication des pâtes. Et quand ils ont commencé à fabriquer les pâtes, il restait le blanc d'œuf. Parce qu'aujourd'hui, on met 9 jaunes d'œufs au kilo de pâtes. Et le blanc, on ne savait pas trop quoi en faire à l'époque. Et du coup, ils se sont dit, bah tiens, il reste du blanc, on va fabriquer des gâteaux. Et puis c'est comme ça que la fabrique de gâteaux a démarré. Le schéma ici, il est merveilleux. On part de la terre et on arrive au magasin. Donc de la terre au commerce, en passant par la première transfo et la deuxième transfo, on gère tout sur place. Donc c'est un schéma merveilleux. Farine, pâtes, gâteaux. Il n'est pas étonnant de voir le magasin de l'abbaye fournir des caddies à ses nombreux visiteurs, comme dans un supermarché monastique. En fin d'après-midi, les moines se retrouvent au scriptorium, autrement dit salle de lecture, pour un exercice de carême bien particulier. Il nous a demandé pendant le carême de choisir un livre et de le lire en entier, et si on ne l'a pas terminé, de le poursuivre après. Ça, c'est un petit événement, et qui nous regroupe d'ailleurs, puisque nous sommes tous ensemble pendant 25 minutes, une demi-heure, au scriptorium, chacun lisant le livre que j'ai remis aussi à chacun au début du carême. Et voilà, et ensuite nous partons à Vêpres. Au niveau de l'ascèse, voilà, c'est à chacun là de voir comment il veut vivre le carême. Celui qui veut jeûner, par exemple, doit me demander l'autorisation, doit me faire part. Les frères qui veulent vivre quelque chose de particulier doivent s'en remettre au Père Abbé. Et ça aussi, c'est aussi un exercice d'obéissance. Hein. Yeah.
l'homme soit un fils à son image. Dieu l'a travaillé au souffle de l'esprit, lorsque nous n'avions ni forme ni visage. Son amour nous voyait libres comme lui. Son amour nous voyait libres comme lui. À la tête d'une abbaye, il y a un père abbé, élu par ses frères, au service de la communauté. Eh ben, c'est comme dans tout groupe, il faut qu'il y en ait un qui essaye, travaille à faire l'unité et à faire avancer l'ensemble. Alors évidemment, on ne choisit pas du tout d'être père abbé. Quand on lit dans la règle de saint Benoît ce qui est dit du père abbé, qui a des comptes à rendre, c'est le seul à qui on dit ça dans la règle, hein, des comptes à rendre sur « mais qu'as-tu fait pour que tes frères puissent grandir, avancer spirituellement, humainement ?» Donc il y a cette responsabilité. Pour cet ancien professeur, la vocation a été tardive, comme on dit. Oh, c'est un long chemin. J'étais venu ici à l'âge de 18-19 ans avant d'entrer en fac et pour une retraite de 3 jours avec des lycéens de Fustel de Coulanges. Et je suis reparti d'ici en me disant comment peut-on vivre dans un endroit pareil, tellement le silence m'oppressait, c'est peut-être un verbe un peu fort, mais voilà. Et puis j'ai découvert le silence dans le cadre des foyers de charité. La petite semence de Lundberg en moi a réapparu de temps en temps pour venir ici faire une halte avec aussi un ami. Et on venait ensemble, j'y ai emmené mes élèves et une ou deux fois. Et puis, très engagé dans le monde, un peu fatigué de faire, toujours faire, même avec amour ou charité. Mais bon, j'ai pu dire à ma directrice que j'avais besoin de me donner du temps. Et je suis venu comme ça pendant un an chaque semaine ici à Eulenberg, le mardi après-midi et le mercredi, pour me donner du temps pour prier, lire, travailler un peu au jardin, me promener. Et puis finalement, je suis là aujourd'hui. Je suis resté à Eulenberg et je suis admiratif de voir comment Dieu s'y prend dans nos vies. Sa pédagogie est plus que remarquable. Dans le respect de notre liberté, dans le respect du temps. Il ne tire pas sur la plante pour qu'elle pousse plus vite et puis pour la casser. Voilà, oui, en rentrant à 52 ans ici au monastère, peut-être que dans d'autres monastères on m'aurait dit « c'est pas possible, vous êtes déjà trop âgé ». Ici ça a été ma chance, on m'a tout de suite accueilli oui, je suis très très reconnaissant à Dieu pour cela et je ne regrette rien de tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Parce que je vois que chaque étape concourt à... Si on reste attaché à Jésus, on n'a rien à craindre, même si on traverse des tempêtes et des tsunamis. Mais voilà. Il ne va jamais au-delà de nos forces. Et puis, je crois même qu'à chaque fois, il nous permet de grimper un peu une marche. C'est par le chant traditionnel du Salve Regina que les moines terminent leur journée avant d'entrer dans le grand silence de la nuit.
Merci aux frères Dominique, Marie, Robert, Christophe, Dimitri et tous les autres de nous avoir ouvert les portes de l'abbaye de Lellenberg. Ainsi se termine notre émission. Au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Parabole.